Quel mépris. Ils arrivent avec 2 heures de retard, et pour finir un prétexte débile trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Ils se sont platement excusés, ça devrait te suffire. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre, moi, ces excuses sur les embouteillages? T'es chiant, genre, excuse-moi de te le dire, t'es chiant. C'est toujours aussi facile de parler avec toi. Ça fait drôle de se revoir, vous n'avez pas tellement changé. Toi t'as changé, c'est fou. Faut que je me change, moi j'ai perdu une femme de ménage comme ça. En plus tout le monde s'en fout de cette soirée. Bon, Ferrette, l'heure n'est plus aux explications, je... Il te faut de l'argent. Ça se passe bien, on dirait. Jacques, tu as remarqué que personne n'a touché à la bûche. C'est toujours la même chose, hein. Il y avait beaucoup trop de petites entrées. Au fait, Jacques, ton invité m'a proposé 2 fois de suite de faire un petit poker. Je te préviens, Fred. Un petit poker, avec des allumettes, on est bien d'accord. Pas une embuscade. Ça va de soi, un peu sauvage. Non, mais est-ce que tu as remarqué le miroir permanent de cette fille? Franchement, avec ton mari, elle est quasiment obscène. Moi, je l'aurais giflé à ta place. Si tu savais ce que je peux en voir de comme elle. Tu m'as l'air bien montée. Qu'est-ce qui t'arrive? On a du mal à se parler avec les deux.